prière miraculeuse de Notre-Dame de l'Impossible pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle urgent. Ô Marie, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, aujourd'hui, nous nous agenouillons devant toi avec humilité et confiance. Nous savons que tu es la Mère aimante qui entend les supplications de tes enfants et intercède pour eux auprès de ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous implorons votre aide, Notre-Dame de l'Impossible, car nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables. Le cœur plein de foi, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Mère, sachant que rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins de tes enfants. Nous reconnaissons que votre dévotion à la volonté de Dieu est sans précédent et que votre amour pour nous tous est inconditionnel. Nous avons confiance en votre pouvoir d'intercession et en votre grâce pour rendre possibles ces situations qui semblent complètement difficiles. Regarde avec tes yeux de tendresse tous ceux qui souffrent en ce moment. Intercède pour ceux qui sont confrontés à une maladie grave, pour ceux qui sont en détresse financière, pour ceux qui sont perdus dans leur douleur et leur affection. Nous te demandons, ô Marie, d'étendre tes mains protectrices sur eux et de leur accorder la guérison, la provision et la consolation dont ils ont besoin. Chère Mère, nous te supplions de faire briller la lumière de l'espoir dans nos vies, que par votre intercession, des miracles se produisent chez ceux qui sont au bord du désespoir. Accorde-nous la grâce de reconnaître la présence et manque de Dieu à chaque instant de notre vie, même dans les situations les plus difficiles. Notre-Dame de l'Impossible, enseigne-nous à suivre ton exemple d'humilité, de foi et d'amour. Aide-nous à être des instruments de compassion et à aider ceux qui nous entourent. Permets-nous de témoigner de ta puissante intercession et de partager l'espérance que nous trouvons en Christ. Avec une profonde dévotion, nous déposons nos supplications à tes pieds, sachant que, par ton intercession, toutes nos impossibilités peuvent être transformées en possibilités. Nous avons confiance en toi, ô Marie, et attendons avec foi la manifestation de miracles dans nos vies et dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Ô Marie, étoile du matin, tu es le guide sûr dans nos nuits sombres, l'espérance qui brille dans nos cœurs. Les larmes aux yeux et l'humilité au cœur, nous implorons votre aide particulière alors que nous faisons face à des défis qui transcendent notre compréhension et nos capacités. Nous savons que tout comme tu étais le confident de Dieu à Nazareth, tu es le confident de nos secrets les plus profonds et de nos supplications les plus sincères. Tu connais nos peurs, nos peines et nos joies. Aujourd'hui, nous vous remettons les fardeaux que nous portons, les inquiétudes qui nous accablent, les défis qui semblent insurmontables. Notre-Dame de l'Impossible, nous vous demandons d'étendre votre manteau protecteur sur tous ceux qui souffrent, en particulier ceux qui font face à des situations désespérées et urgentes. Touchez avec vos mains maternelles les malades en leur apportant soulagement et guérison. Éclairez de votre sagesse ceux qui font face à des décisions difficiles et à des enchevêtrements de problèmes. Le cœur plein d'espérance, nous comptons sur ton aide. Ô Marie, nous vous demandons d'intercéder auprès de votre Fils Jésus, afin qu'il puisse répondre à nos prières et à nos besoins selon sa volonté. Aide-nous à accepter sa volonté, même si elle diffère de la nôtre, car nous savons qu'il a un plan divin pour chacun de nous. Notre-Dame de l'Impossible, apprenons à être des instruments de paix, d'amour et de compassion dans le monde. Cela nous donne le pouvoir de partager l'amour du Christ avec ceux qui nous entourent, afin que nous puissions être porteurs d'espoir et de réconfort pour tous. Avec gratitude dans nos cœurs, nous vous remercions pour votre présence constante dans nos vies, pour votre puissante intercession et pour l'assurance qu'avec vous à nos côtés, aucun défi n'est vraiment impossible à surmonter.
nous continuerons à prier avec foi et dévotion, confiant que grâce à votre aide, nous verrons des miracles se produire dans nos vies et dans la vie de ceux que nous aimons. Ô Notre-Dame de l'impossible, nous continuons à élever la voix dans la prière, reconnaissant l'immensité de votre grâce et de votre intercession. Nous te demandons, Mère aimante, de répandre tes bénédictions sur toutes les familles qui traversent des moments de difficulté et de division. Il rassemble ceux qui sont loin, guérit les cœurs blessés et rétablit l'harmonie et la paix dans chaque foyer. Notre-Dame, nous te demandons aussi pour ceux qui font face à des défis dans leurs relations, que ce soit avec des amis, des collègues ou des êtres chers. Que votre influence aimante favorise la réconciliation et la compréhension entre les gens, dissipant les vieux désaccords et les blessures. Notre-Dame de l'impossible, nous savons que la vie est pleine de tribulations, mais nous espérons qu'avec votre aide, nous pourrons trouver la force et le courage d'affronter toutes les adversités. Nous vous demandons en particulier d'accueillir chaleureusement les prières silencieuses de chaque personne qui, en ce moment, cherche désespérément un miracle dans leur vie. Très Sainte Marie, Reine de la paix, guide-nous vers la vraie paix intérieure, celle qui transcende les circonstances extérieures. Aide-nous à maintenir la sérénité au milieu de la tempête, la foi dans les heures de doute et l'espoir quand tout semble perdu. Avec des larmes de gratitude et d'amour dans nos cœurs, nous avons confiance en votre intercession et en votre infinie bienveillance. Nous continuerons à crier vers toi, ô Notre-Dame de l'impossible, sachant qu'avec ton aide, tous les obstacles peuvent être surmontés et tous les miracles deviennent possibles. Ô Notre-Dame de l'impossible, Mère des grâces et de la miséricorde, nous tendons nos mains suppliantes à la recherche de votre aide, car nous reconnaissons que vous êtes le porteur des bénédictions divines et la médiatrice entre le ciel et la terre. Nous vous demandons de regarder le monde qui est plein de défis, d'injustices et de souffrances, et d'intercéder pour tous ceux qui aspirent à un miracle urgent. Marie, protectrice des nécessiteux, réconforte les cœurs désespérés, soulage le fardeau des afflictions et calme les tempêtes qui tourmentent nos vies. Vous qui connaissez la douleur de la perte et de la souffrance, étendez votre main compatissante sur les personnes endeuillées en leur offrant réconfort et espoir. Chère Mère, nous savons que tu es l'étoile du matin qui guide les marins sur les mers agitées. Guide-nous aussi à travers les eaux troubles de nos vies, afin que nous puissions trouver la sécurité, la paix et la direction dans ta lumière. Notre-Dame de l'impossible, nous te demandons notre humanité, afin que les cœurs endurcis s'adoucissent, que les esprits s'ouvrent à la compréhension et que la justice prévale sur l'oppression. Aide-nous à construire un monde plus juste, aimant et compatissant, où tous vos enfants peuvent vivre en paix, dans la dignité, avec une foi inébranlable. Nous comptons sur votre intercession, ô Marie, et te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous continuerons à vous invoquer avec dévotion et amour, croyant que grâce à votre aide, à la grâce divine, tout l'impossible peut devenir possible. Notre-Dame de l'impossible, nous étions notre prière pour tous ceux qui font face à des défis dans les domaines spirituels, émotionnels et vocationnels. Intercède pour ceux qui cherchent à trouver leur but dans la vie, pour ceux qui se sentent perdus et confus au milieu des choix qu'ils doivent faire, et pour ceux qui cherchent une réconciliation avec leur foi et leur spiritualité. Très Sainte Marie, Mère de tous les peuples, nous te demandons d'étendre ton manteau de protection sur toutes les nations, en particulier celles qui sont confrontées à des conflits de souffrance et des difficultés extrêmes. Aide-nous à trouver des chemins de paix, de justice et de réconciliation,
afin que l'amour de Dieu prévale sur la haine et la division. Notre-Dame de l'Impossible, vous qui êtes la reine des anges, nous vous demandons d'envoyer vos messagers célestes pour consoler et guider tous ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Que vos anges servent tous ceux qui souffrent, leur apportant réconfort et soulagement dans leurs moments les plus sombres. Marie, notre Mère, nous vous remercions pour votre intercession et montez pour les bénédictions que vous desservez sur nous. Nous continuerons à prier avec foi, espoir et dévotion, confiant qu'avec votre aide, toutes les choses impossibles peuvent devenir des possibilités et que la grâce de Dieu est toujours avec nous. Ô Marie, étoile du matin, nous continuons notre prière avec un cœur plein de dévotion et de gratitude, reconnaissant ta présence constante dans nos vies. Nous vous demandons, en ce moment, d'accorder réconfort et force à ceux qui font face à des défis physiques, émotionnels et spirituels. Regarde avec compassion ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs physiques et de limitations. Cela leur donne le courage d'affronter leurs souffrances avec dignité et la foi de croire en la guérison et en le soulagement que seul Dieu peut apporter, Mère aimante. Nous prions aussi pour ceux qui portent des fardeaux émotionnels et mentaux, pour ceux qui font face à l'anxiété, à la dépression et au désespoir. Guidez-les pour qu'ils trouvent la paix intérieure et la sérénité qui viennent de votre présence et de la grâce divine. Notre-Dame de l'Impossible, toi qui es la source de l'espérance, jette ta lumière sur ceux qui ont perdu la foi et l'espérance dans leur vie. Aide-les à redécouvrir l'amour de Dieu et la confiance en sa miséricorde infinie. Marie, Reine du ciel et de la terre, nous te demandons pour tous ceux qui font face à des défis qui semblent insurmontables. Fortifie-nous dans notre foi afin que nous puissions persévérer face aux difficultés et croire qu'avec ton intercession, tous les miracles sont possibles. Notre-Dame de l'Impossible, acceptez nos prières et nos supplications avec amour et compassion. Nous continuerons à invoquer, confiant en ta puissante intercession et en la grâce divine, sachant qu'avec ton aide, tout l'impossible peut se réaliser. Amen. Prière de Notre-Dame de l'Impossible pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle urgent. Chère Notre-Dame de l'Impossible, toi qui es la mère aimante et l'intercesseur, nous demandons ton aide dans les moments difficiles, lorsque tout semble au-delà de nos capacités. Nous savons que dans tes bras, nous trouvons le réconfort, et dans ton amour, nous trouvons de l'espoir. Toi qui es la reine du ciel et de la terre, écoute les supplications de ceux qui crient à l'aide. Notre-Dame de l'Impossible, qui a surmonté les adversités et surmonté les obstacles les plus difficiles, nous vous tendons la main pour vous demander de l'aide. Dans les moments de désespoir et d'incertitude, nous trouvons refuge en ta présence maternelle. Toi qui es l'étoile du matin, la porte du ciel connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et les batailles que nous livrons. Regardez-nous tous qui sommes désespérés, déverse ta grâce sur nos vies et accorde-nous le miracle auquel nous aspirons tant. Ô Marie, Notre-Dame de l'Impossible, dans ton infinie bonté, accepte nos supplications. Nous connaissons les merveilles opérées par votre intercession à travers les siècles. Des milliers d'âmes affligées ont trouvé du réconfort et une solution à leurs difficultés grâce à vous. C'est pourquoi, confiant en votre intercession, nous implorons votre aide dans nos situations les plus urgentes. Elle fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et nous aide à affronter les difficultés avec courage et persévérance. Avec votre aide, Notre-Dame de l'Impossible, nous pouvons surmonter des obstacles qui semblent insurmontables. Vous êtes la mère attentionnée qui prend soin de ses enfants avec un amour inconditionnel. Vous qui étiez présente dans les moments les plus difficiles de la vie de Jésus,
comprenez nos angoisses et nos afflictions. Intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus, afin qu'il réponde à nos demandes et nous accorde des miracles dont nous avons tant besoin. Notre-Dame de l'Impossible, votre dévotion traverse les générations et votre nom est invoqué avec foi et dévotion dans le monde entier. Tu es notre force dans les moments de faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre guide de traverse. Je place ma confiance et mon espérance en vous, sachant que vous ne serez pas indifférent à nos appels. Entends notre cri, écoute nos demandes et accorde-nous le miracle urgent que nous recherchons tant. Que ta bénédiction maternelle nous entoure et nous protège. Que ton manteau sacré nous couvre et nous réconforte dans les moments de détresse. Notre-Dame de l'Impossible, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que nos supplications soient exaucées et que nos cœurs soient remplis de gratitude. Nous avons confiance en votre puissante intercession et attendons, avec foi, l'accomplissement des miracles que nous recherchons tant. Ô Notre-Dame de l'Impossible, toi qui es la Reine du Ciel et la Mère de Miséricorde, nous nous tournons vers toi en ce temps de besoin urgent. Nous savons qu'il n'y a pas de limite à votre amour et à votre pouvoir. Face à des défis qui semblent insurmontables, nous cherchons refuge dans votre intercession avec humilité et confiance. Nous présentons devant vous nos demandes les plus profondes et sincères. Connaissant notre fragilité et notre imperfection, nous avons recours à ta miséricorde. Toi qui es la médiatrice de toute grâce, prie pour nous devant ton Fils Jésus-Christ. Notre-Dame de l'Impossible, nous vous demandons d'intercéder pour toutes les personnes confrontées à la maladie, à la détresse financière, aux relations effilochées, au chômage, à la solitude, à la dépression et à tant d'autres difficultés qui rendent leur vie presque insupportable. Toi qui es la consolatrice des affligés, déverse tes bénédictions sur eux. Que ta lumière brille sur les chemins sombres de ceux qui se sentent perdus et désespérés. Cela nous aide à trouver des solutions, là où elles ne semblent pas exister. Il touche les cœurs endurcis et apporte la réconciliation là où il y a la division. Elle donne du courage aux découragés et du soulagement à ceux qui souffrent. Notre-Dame de l'Impossible, nous savons qu'avant toi, rien n'est impossible. Nous avons confiance en votre pouvoir de transformer l'impensable en une réalité possible. Cela nous donne la force de persévérer face à l'adversité et l'inspiration pour trouver les meilleurs chemins. Avec gratitude, nous louons ton nom et reconnaissons ta présence et monte dans nos vies. Que notre intercession nous guide et nous protège à tout moment, faisant de nous des instruments d'amour, de paix et d'espérance dans ce monde. Notre-Dame de l'Impossible, nous avons confiance en vous et mettons toutes nos préoccupations et nos besoins entre vos mains. En ton nom, nous recherchons le miracle auquel nous aspirons. Notre-Dame de l'Impossible, devant toi, nous nous plaçons avec humilité et dévotion. Nous reconnaissons que tu es l'intercesseur puissant et rempli de grâce, capable d'accomplir l'impossible dans nos vies. Nous comptons sur votre bonté et votre intercession auprès de Dieu, en cette période d'angoisse et de désespoir. Nous vous demandons de veiller sur tous ceux qui font face à des situations difficiles et apparemment non résolues. Que vos bénédictions atteignent les malades en quête de guérison, les désespérés en quête de réconfort, les perdus en quête de direction et tous ceux qui souffrent en silence. Pour Notre-Dame de l'Impossible, nous te demandons d'étendre ton manteau protecteur sur nos familles en les bénissant d'unité, d'amour et de paix. Accordons la sagesse pour résoudre les conflits, la patience pour surmonter les obstacles et la foi pour affronter les tribulations quotidiennes. Il protège nos proches en éloignant le mal. Nous implorons votre intercession pour ceux qui cherchent du travail et de la subsistance. Il regarde avec compassion ceux qui sont au chômage, confrontés à des difficultés financières et qui luttent pour subvenir aux besoins essentiels de leur famille.
il ouvre des portes d'opportunités, accorde du discernement dans la recherche d'emploi et renforce la persévérance de ceux qui n'abandonnent pas. Notre-Dame de l'impossible, nous élevons nos prières pour ceux qui font face à des défis relationnels, qu'ils soient conjugaux, familiaux ou amicaux ébranlés. Il apporte la réconciliation, la compréhension et le pardon aux cœurs blessés, rétablissant l'amour et l'harmonie entre les gens. Cela nous aide à cultiver l'empathie et la compassion dans nos relations. Notre-Dame de l'impossible, nous prions pour ceux qui souffrent de solitude, de tristesse et de dépression. Enveloppez-les de votre amour maternel et accordez-leur réconfort et espoir. Puissent-ils ressentir la présence réconfortante de Dieu dans leur cœur et trouver du soutien dans la communauté et les gens autour d'eux. Cela leur donne la force de surmonter les moments les plus sombres. Que vos bénédictions atteignent également ceux qui cherchent à surmonter les dépendances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Cela réconforte leur détermination, leur donne le courage de faire face aux défis du rétablissement et leur envoie l'aide dont ils ont besoin pour emprunter un chemin de libération et de renouveau. Notre-Dame de l'impossible, intercède pour nous tous devant Dieu, notre Père aimant. Il entend nos prières, connaît nos besoins les plus profonds et répond à nos demandes selon sa volonté. Renouvelons notre foi et notre espérance en sa miséricorde infinie, sachant que, dans ses mains aimantes, nous trouvons soutien et réconfort. Que Notre-Dame de l'impossible, la mère de toutes les grâces, nous bénisse et nous protège à chaque instant de notre vie. Bien-aimée Notre-Dame de l'impossible, dans votre infinie bonté et compassion, nous vous adressons notre supplication. Toi qui es l'étoile du matin, la porte du ciel, prie pour nous devant Dieu, notre Père aimant. Intercède pour ceux qui font face à des défis apparemment insurmontables, pour trouver du réconfort, de la force et une solution divine. Notre-Dame de l'impossible, au milieu des tribulations de la vie, nous savons que ton regard maternel est sur nous. Ta présence nous entoure d'amour et de tendresse, nous guidant sur les chemins de l'espérance. Nous avons confiance en votre puissante intercession, car nous savons qu'aucune demande n'est trop grande pour vous. Ô Mère de l'impossible, étends tes mains accueillantes sur ceux qui sont confrontés à des crises financières, à des dettes écrasantes, à des difficultés économiques. Ils soulagent le fardeau de ceux qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille, en leur accordant les opportunités et les bénédictions nécessaires pour surmonter leurs difficultés. Notre-Dame de l'impossible, vous qui connaissez la douleur des malades et l'angoisse de ceux qui souffrent, nous vous demandons d'intercéder pour tous ceux qui luttent contre des maladies graves et incurables. Cela leur donne la force et le courage pour affronter leur infirmité, et si c'est la volonté de Dieu, cela leur apporte la guérison et le soulagement tant attendu. Compassion et miséricorde infinie, Notre-Dame de l'impossible, nous vous demandons d'accueillir dans votre manteau sacré ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Que ton amour maternel les entoure, leur apporte réconfort et renouvelle leur espérance. Accorde-leur la grâce de surmonter leurs défis et de trouver une lumière au bout du tunnel. Notre-Dame de l'impossible, nous savons que par votre intercession, des miracles ont été accomplis au cours des siècles. Par conséquent, nous plaçons notre confiance et notre foi en vous. Aidez-nous à persévérer dans la prière et à croire en la puissance de l'amour divin, même dans les moments les plus sombres. Ô Mère bien-aimée, entends nos prières et accorde-nous le miracle urgent dont nous avons tant besoin. Nous savons que tout est possible lorsque nous remettons nos vies entre les mains de Dieu par votre intercession. Fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et guide-nous sur le chemin de la paix et de la grâce. Notre-Dame de l'impossible, avec gratitude et dévotion, nous vous abandonnons nos cœurs, nous comptons sur votre protection et votre intercession auprès de Dieu. Que vos bénédictions soient sur nous et puissions-nous ressentir votre présence et monte à chaque instant de notre vie. Amen. Prière puissante de la Vierge Marie pour apporter la paix
et les bénédictions dans votre maison. Bien-aimée Vierge Marie, Mère pleine de grâce et de tendresse, aujourd'hui, nous nous rassemblons devant ton image avec des cœurs humbles et pleins d'espoir, recherchant ton intercession afin que tu puisses apporter à notre foyer les bénédictions de paix, d'amour et d'harmonie. Vous, qui avez reçu la grâce de Dieu d'être la mère de son Fils bien-aimé, nous savons que votre bonté et votre compassion sont infinies dans ce monde trépidant et souvent tumultueux. Nous vous considérons comme un phare de sérénité et de réconfort. Mère de miséricorde, apprenons à suivre ton exemple de patience, d'humilité et de générosité. Puissions-nous trouver dans votre cœur compatissant un refuge sûr en période de tribulation, et puissions-nous partager cette même compassion les uns avec les autres. Toi qui es l'étoile du matin, guide-nous avec ta clarté céleste sur les chemins de la vie. Aide-nous à discerner ce qui est vrai et bon à chasser les ombres du doute et à trouver la tranquillité entre tes mains maternelles. Vierge Marie, reine de la paix, nous savons que seul ton Fils Jésus est la véritable source d'une paix durable. Nous implorons votre intercession pour qu'il desserve sur nous le don de la paix intérieure, afin que nous puissions rayonner cette paix dans le monde qui nous entoure. Que notre maison soit un sanctuaire d'amour et de respect mutuel, où tous ceux qui entrent ici peuvent sentir ta présence sereine et accueillante. Il nous protège de tout mal et nous aide à surmonter tout défi qui pourrait se présenter à nous. Marie, étoile de l'espoir, nous comptons sur vos conseils et vos soins. Elle nous maintient ensemble en tant que famille. Renforce nos liens et nous accorde la grâce de vivre en paix, en communion les uns avec les autres et avec Dieu, avec gratitude et confiance. Nous déposons nos supplications à vos pieds, vous demandant d'intercéder pour nous auprès du Père Céleste, et qu'en faisant l'expérience de la paix que lui seul peut donner, nous puissions la partager généreusement avec tous ceux que nous rencontrons au cours de notre voyage. Ô Marie, dame d'humilité et de prière dans ce monde plein d'agitation et de défis, nous reconnaissons votre présence comme une lueur d'espoir et de sécurité en tant que mère attentionnée. Nous vous demandons d'étendre vos mains maternelles sur nous, bénissant notre maison de votre grâce abondante et de votre paix. Vous qui êtes un modèle de vertu et de courage, inspirez-nous à affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Aide-nous à cultiver la patience et la compassion au milieu des difficultés, en nous rappelant ton exemple d'obéissance à la volonté de Dieu. Marie, reine des anges, veuillez envoyer vos messagers célestes pour nous protéger de tout mal et nous guider dans les voies de la vertu. Puissions-nous être sensibles aux inspirations du Saint-Esprit, afin que nos actions et nos paroles reflètent l'amour et la paix que tu personnifies avec votre pureté et votre humilité. Apprenez-nous à être des instruments de paix dans nos maisons et dans nos relations avec les autres. Que nos discussions cèdent la place à un dialogue constructif et que nos différences soient des opportunités de croissance mutuelle. Marie, Mère de consolation, nous console dans les heures de tristesse et d'incertitude. Aide-nous à trouver du réconfort dans les promesses de Dieu et dans la confiance en tes intercessions. Nous sommes soutenus dans toutes les circonstances de la vie. Ô Marie, miroir de la patience, aide-nous à cultiver la vertu de la patience chez nous, en nous rappelant que toutes choses ont leur temps et leur but. Puissions-nous attendre avec sérénité et confiance, sachant que le plan de Dieu se déroulera dans nos vies. Marie, étoile du matin, guide-nous sur le chemin de la foi et de la dévotion. Puissions-nous grandir spirituellement, en famille, en cultivant la prière dans notre vie quotidienne et en trouvant en Dieu la source inépuisable de paix intérieure. Accepte, ô Marie, nos prières et nos supplications, et présente-les
devant le trône de ton Fils. Que la paix et les bénédictions que nous recherchons soient déversées abondamment sur notre maison et sur tous ceux qui s'en approchent. Marie, source de tendresse et d'espérance, dans ce monde souvent tumultueux, nous cherchons refuge en votre présence accueillante. Nous savons que tu es la mère de la paix, et c'est avec un cœur plein de confiance que nous te demandons de déverser tes bénédictions sur notre maison. Avec ton regard maternel, vois nos besoins et nos préoccupations. Très souvent, nous nous sentons submergés par les pressions de la vie quotidienne, mais nous espérons que vous intercéderez pour nous auprès du Père. Aide-nous à trouver le calme au milieu de la tempête et à croire que tout est entre les mains de Dieu. Marie, Reine du ciel et de la terre, aide-nous à grandir dans l'amour et l'unité. Que nos relations familiales soient renforcées par le respect mutuel, l'empathie et le pardon. Cela nous apprend à regarder au-delà de nos propres préoccupations et étendre la main aux autres dans des gestes d'amour et de compassion. Avec votre douceur et votre délicatesse, inspirez-nous à être des artisans de paix dans un monde assoiffé d'harmonie. Que notre maison soit un oasis de sérénité, où tous ceux qui entrent ici peuvent ressentir l'amour que nous partageons et la présence de Dieu qui nous unit. Marie, consolatrice des affligés, nous aide dans les moments difficiles. Nous savons que même dans les moments les plus sombres, tu es à nos côtés, accueillant nos larmes et fortifiant notre foi. Aide-nous à affronter les défis avec courage, en nous rappelant que rien n'est impossible avec Dieu. Avec votre sagesse et votre grâce, guidez-nous dans nos décisions et nos choix. Puissions-nous toujours chercher la volonté de Dieu dans nos vies en suivant votre exemple d'abandon total et de confiance. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par la lumière de la foi. Marie, Mère des grâces, accueille nos prières et nos aspirations. Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin qu'il réponde sur nous sa paix qui surpasse toute intelligence. Marie, aube de l'éternité, aujourd'hui devant ton image qui nous rappelle ta fidélité et ton amour infini, nous adressons nos paroles avec gratitude et espoir. Nous reconnaissons en toi la Mère qui accueille, comprend et aime inconditionnellement. Nous vous demandons humblement d'étendre votre protection et votre bénédiction sur notre maison. Marie, toi qui es l'étoile du matin qui précède le lever du soleil, éclaire nos cœurs et nos maisons de la lumière de la foi. Cela nous inspire à chercher Dieu à tout moment, à faire confiance à sa providence et à affronter chaque défi avec confiance et courage. Mère aimante, apprends-nous à être patient et tolérant, à écouter avant de parler, à comprendre avant de juger. Puissions-nous être des instruments de réconciliation et de paix au milieu des accords et des désaccords. Marie, rose mystique, nous demandons que tes mains maternelles calment les tempêtes qui peuvent enlever nos vies. Intercède auprès de ton Fils pour qu'il nous accorde la paix que lui seul peut donner, la sérénité qui vient de la certitude de son amour pour nous. Contemplant ta vie d'humilité et de service, aide-nous à nous servir les uns les autres avec joie et générosité. Que notre maison soit un lieu d'accueil, nous partageons les joies et les préoccupations des uns et des autres, renforçant les liens familiaux. Marie, Dame de la Consolation, essuie nos larmes quand la tristesse nous touche. Votre tendresse et votre compassion nous inspirent à trouver du réconfort dans l'assurance que vous êtes notre intercesseur auprès de Dieu et que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Mère, étoile de l'espérance, aide-nous à garder vivante la flamme de la foi, même dans les moments les plus difficiles. Puissions-nous trouver dans votre intercession la force de persévérer, l'espérance de croire et la joie de louer. Accepte, Marie, nos paroles et nos désirs. Confiant en ton intercession, nous plaçons dans ton sein maternel tous nos rêves, soucis et désirs de paix.
que la paix que nous recherchons pour notre maison devienne une réalité palpable, rayonnant vers tous ceux qui nous entourent. Par ta grâce, ô Marie, puissions-nous expérimenter la vraie paix que seul Jésus peut offrir. Marie, reine de la paix, avec humilité et dévotion, nous continuons à élever nos prières devant vous. Ta présence maternelle nous rappelle que tu es la mère de tous, qui accueille et bénit avec un amour inconditionnel. Nous demandons que vos grâces de paix et d'harmonie continuent de couler dans notre maison. Toi qui connais le désir les plus profonds de nos cœurs, entends nos supplications silencieuses et nos paroles prononcées. Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin qu'il réponde sur nous sa paix divine, qui transcende les compréhensions terrestres. Marie, Mère de la grâce divine, nous accorde la grâce de pardonner et d'être pardonné, d'aimer et d'être aimé. Que notre maison soit un refuge de guérison, où les blessures du passé peuvent être guéries par le pouvoir de l'amour et du pardon. Avec ta pureté immaculée, guide-nous sur le chemin de la vie vertueuse. Puissions-nous grandir en imitant vos exemples d'humilité, d'obéissance et de service désintéressé envers les autres. Marie, consolatrice des affligés, nous réconforte dans les heures de tristesse et d'incertitude. Puissions-nous trouver dans votre intercession le courage d'affronter les défis et l'espérance d'une nouvelle viendra toujours. Mère aimante, apprends-moi à être reconnaissant pour toutes les bénédictions que nous recevons. Puissions-nous cultiver une attitude de gratitude en reconnaissant le bien qui existe dans nos vies et en partageant nos dons avec générosité. Marie, étoile du matin, nous guide dans notre recherche de la vérité et du sens profond de la vie. Puissions-nous toujours être ouverts à l'action de l'Esprit-Saint, lui permettant de nous guider à chaque étape du chemin. Accepte, Marie, nos prières et nos désirs les plus profonds. Nous plaçons tous les membres de notre famille, nos amis et nos proches sous votre protection. Que chacun ressente la paix et l'amour émanant de notre maison, témoignant de votre présence dans nos vies. Avec confiance en ton intercession, ô Marie, nous élevons ces paroles. Puisse-t-elle atteindre le cœur de ton Fils et nous apporter la paix que nous aspirons à trouver. Amen. La prière du matin, Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, Reine du ciel et de la terre, Mère aimante et puissante médiatrice, en ce jour, je me tourne vers toi avec un cœur empli de dévotion et d'amour filial. Toi qui as été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils bien-aimé, je me confie à ta bienveillance maternelle et à ton intercession puissante. Marie, douce reine des anges et des saints, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, je me prosterne devant toi avec humilité. Conscient de ma faiblesse et de mes besoins, je te confie toutes mes intentions, tant spirituelles que matérielles, sachant que tu intercèdes pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ. Marie, modèle de vertu et d'obéissance, étoile de la nouvelle évangélisation, je te prie de m'aider à suivre l'exemple de ta vie immaculée. Accorde-moi la grâce de rejeter le péché et de vivre dans la sainteté, en étant toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu avec un cœur docile et aimant. Marie, reine de l'amour et de la miséricorde, consolatrice des cœurs brisés, je te confie toutes les souffrances, les peines et les angoisses qui habitent mon âme. Enveloppe-moi de ton manteau maternel et apaise mes tourments. Permets-moi de ressentir ta présence réconfortante dans les moments de détresse. Marie, reine de la paix et de l'espérance, refuge des âmes en quête de réconfort, je te supplie de veiller sur moi et sur tous ceux qui sont dans le besoin. Intercède pour les malades, les affligés, les opprimés
et les délaissés. Répands sur nous tes bénédictions et ta protection, et guide-nous sur le chemin de la foi et de la confiance en Dieu. Marie, Reine du Rosaire et médiatrice de toute grâce, je te présente mes prières et mes supplications, dans l'espérance que tu les porteras devant le trône divin. Accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière et de demeurer fidèle au Seigneur, même au milieu des difficultés de la vie. Marie, Reine du ciel et de la terre, Mère de l'Église et avocate des pécheurs, je te prie de guider l'Église avec sagesse et amour, de protéger tous les membres du clergé. Sois notre guide et aide-nous à témoigner de la foi avec audace et amour. Marie, Reine éternelle et glorieuse, étoile du matin qui annonce le triomphe final, je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie et pour ton intercession puissante. Je te confie toutes mes intentions personnelles et celles de ceux qui me sont chers. Prenez ici un moment pour présenter vos intentions. Marie, Reine du ciel et de la terre, douce Mère qui nous conduit toujours à ton Fils, accorde-nous la grâce de vivre en union étroite avec toi, afin que nous puissions grandir en sainteté et en amour pour Dieu. Que ton manteau maternel nous protège, que ton intercession nous fortifie et que ta tendresse nous guide sur le chemin du salut éternel. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que cette prière soit une source de réconfort et de paix dans votre vie. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin. Ô Vierge Marie, ayez pitié de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui sont séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il. Ô Vierge Marie, ayez pitié de nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n'adore pas, qui n'espère pas et qui ne vous aime pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô cœur de Marie, qui êtes sur le trône de la charité, de la miséricorde et de la paix, je vous présente mon cœur souillé de 1000 péchés et agité de 1000 passions. Tout indigne qu'il est, j'espère que vous ne le méprisez pas. Par votre sainte intercession, purifiez-le, sanctifiez-le, détachez-le des créatures, pénétrez-le de douleur, de ses péchés, remplissez-le de votre amour et de l'amour de Jésus-Christ. Daignez m'ouvrir votre cœur, ô Marie, et m'y donnez une place avec vos plus fidèles serviteurs. Faites-moi goûter la douceur de votre saint cœur, source de miséricorde et d'amour, et faites que, par l'imitation de ses vertus, je puisse mériter de vous louer dans l'éternité, et de bénir la puissance infinie de Dieu, qui vous a fait si grande, si sainte, si aimable, si admirable. Ainsi soit-il, je vous salue, ô cœur très saint. Je vous salue, ô cœur très doux. Je vous salue, ô cœur très humble. Je vous salue, ô cœur très pur. Je vous salue, ô cœur très dévot. Je vous salue, ô cœur très sage. Je vous salue, ô cœur très patient. Je vous salue, ô cœur très obéissant. Je vous salue, ô cœur très vigilant. Je vous salue, ô cœur très fidèle. Je vous salue, ô cœur très aimable. Je vous salue, ô cœur très aimant de Marie. Ainsi soit-il. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.